La troisième danse hongroise de Brahms, c'était joué ici par Claudio Abbado à la tête du Philharmonique de Vienne qui fera donc son grand retour en octobre 2012 à la Scala de Milan. Le grand retour tout de suite de David Christoffel à 7h40. Pour votre webophone, bonjour. Bonjour Alex. Alors vous avez passé un week-end studieux, vous allez à la revue électronique Alchemy avec un K. Oui, Alchemy est une revue de philosophie sur internet dont le comité de rédaction se trouve à Sibiu en Roumanie qui réunit des contributeurs un peu partout en Europe. Alchemy dont le 6e numéro est consacré à Sioran et coïncide donc avec le centenaire de sa naissance il y a exactement 10 jours. Numéro dans lequel une étude de Massimo Carloni est tout entière consacrée au rapport de Sioran à la musique. Alors pour commencer, Massimo Carloni fait une révélation au sens où il dit quelque chose qui est peu rappelé. Selon le témoignage d'Aurel, Sioran, son frère, a pratiqué le violon intensément 2 ou 3 heures par jour jusqu'à la classe de 4e du lycée. Et Sioran va porter longtemps la certitude que la musique peut exprimer ce que les émotions sont ingrates en plus de profondes. Massimo Carloni relève une note de 1969 dans ses cahiers. Sioran écrit « Tout ce qui me travaille, ces nostalgies de toutes sortes, ces déchirements hurlants, ce canard souterrain et ces frissons d'au-delà de tous les mondes, c'est par la musique que j'aurais pu les exprimer. » C'est métaphysique. Carrément. Et ce serait à se demander si Sioran n'est pas devenu philosophe parce qu'il trouvait surtout à la musique des vertus philosophiques. Puisqu'il écrivait dans le livre des leurs « Seuls ceux qui souffrent à cause de la vie aiment la musique ». Et si le philosophe s'arrête à la gravité de la musique de Bach, c'est pour y mettre l'espoir qu'il peut s'y trouver quelque chose d'universel. Il écrit « Une musique dans laquelle nous ne sommes pas éternels mais où nous le deviendrons ». Et alors que dans Mozart, Sioran, il faudrait dire même Sioran, trouve quelque chose de paradisiaque, il arrive à y entendre la lumière de l'éternité, mais il trouve, à la fin, dans l'adagio du concerto pour clarinette, un abattement, un embarras, une sorte de déception spirituelle. Et c'est très étonnant comme les enthousiastes de musicaux de Sioran suivent une sorte de grande histoire de la désillusion générale. C'est pathétique de le dire si vite, mais il y a bien quelque chose comme ça, puisque dans la musique de Beethoven, justement, il trouve que le divin y est déjà trop humain pour ne pas être d'abord tragique, comme si depuis Bach, la grande musique devait perdre en perfection, en grâce, au point qu'il met une sorte de point d'arrêt à la grande musique. 4 jours avant d'écrire sa blessure secrète de n'être pas musicien, il écrit dans ses cahiers « 3e symphonie de Brahms, parfois je me demande si après Bach, ce n'est pas Brahms que je préfère, ou trouver souffle le tragique comparable au sien, c'est peut-être lui le dernier grand musicien de l'Occident. Thank you.